Faire la politique autrement, aujourd'hui, c'est relever le défi de la proximité. On a aujourd'hui des électeurs qui ont fait le choix de la jeunesse, d'une nouvelle génération, et qui ont fait ce choix en disant c'est une génération connectée, une génération qui nous comprend, qui est la génération des réseaux sociaux, où chacun a son mot à dire, chacun peut s'exprimer, faire une critique, proposer des idées. Et faire de la politique autrement, c'est prendre complètement en compte cette nouvelle réalité. Aujourd'hui, chaque citoyen est un citoyen qui veut agir sur son environnement, sur sa cité. Et très concrètement, pour un jeune maire comme moi, c'est créer les outils de cette proximité, que ce soit, comme ont pu le faire nos aînés, des conseils de quartier, mais cette fois, ça doit être des conseils de quartier connectés. Ça doit être une proximité aussi avec les employés de la mairie, celles et ceux qui font tous les jours qu'une mairie fonctionne bien. C'est pour ça que moi, en tant que nouveau maire, j'ai choisi tous les 15 jours d'avoir une demi-journée consacrée au rendez-vous avec le personnel municipal pour être vraiment en contact, en prise directe avec celles et ceux qui sont au contact direct de tous nos concitoyens. Et puis pour recréer un dialogue permanent avec les concitoyens, on a d'ores et déjà mis en place un processus pour développer des outils, notamment via les smartphones et les réseaux sociaux, qui nous permettront et qui permettront surtout à chaque concitoyen de pouvoir prendre en photo toutes les choses qu'ils auraient envie de nous faire remonter, une dégradation, un tag, mais aussi des innovations. C'est-à-dire que très concrètement, un laïcien qui serait en vacances dans le sud de la France et qui trouverait très très pertinent une innovation qu'aurait mis en place une autre mairie ou une entreprise, pourrait le prendre en photo ou nous écrire un petit mail pour décrire ce qu'il voit, ce qu'il aura envie qu'on mette en place à l'Île-et-Rose, ce qui nous permet, nous, de le recevoir en direct, de traiter cette information, d'assurer un vrai suivi des différentes demandes d'intervention, et puis d'y répondre et d'assurer aussi le suivi de la mise en place, pouvoir recontacter le citoyen en lui disant voilà ce qu'on a pu faire avec votre idée, ou telle critique que vous nous avez faite, voilà comment on l'a corrigée. Et moi, cette proximité, pour moi, c'est déjà le béaba de la nouvelle façon de faire de la politique.